Je m'appelle Valérie Pinard, j'ai 33 ans et je travaille en tant que gouvernante sur la clinique Paris-Bercy. Mon métier consiste en fait à superviser une équipe, enfin les tâches de l'équipe de bionettoyage. On est prestataire sur la clinique Paris-Bercy, donc je travaille pour la société Clairéance qui offre des services hôteliers et aussi de restauration en milieu de santé. Alors les fonctions de mon métier, c'est le management, la communication, les contrôles et aussi la gestion à n'importe quel endroit où je me situe. Donc là aujourd'hui c'est sur une clinique, mais demain ça peut être un EHPAD ou un foyer d'accueil médicalisé ou une crèche. Les missions restent les mêmes, c'est-à-dire donc il y a toujours le management, la communication, les outils de contrôle et la gestion des produits divers. La gestion, ça va être une gestion des stocks, ça va être des produits hôteliers, des consommables, des produits d'entretien. Les audits contrôles, ça va être des contrôles visuels via des tablettes, des tableaux. Il y a aussi par des prélèvements de surface, donc des prélèvements bactériologiques. Le management, c'est de gérer une équipe, l'animer. Donc en fait, vous allez commencer par le recrutement, accueillir la personne, la former, l'accompagner, la guider, son projet professionnel. Mon parcours professionnel a commencé par un BEP carrière santé associée, un bac sciences médico-sociales. À partir de ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter de travailler et puis de rentrer dans le monde du travail. Donc j'ai obtenu le poste d'auxiliaire de vie en maison de retraite. On m'a confié d'autres missions parce que mon employeur était satisfait. J'ai eu encore d'autres missions qui se sont greffées pour me conduire vers un diplôme d'aide médico-psychologique et ensuite le diplôme de CQP gouvernante. Cette envie de faire mon métier, c'est la personne âgée. C'est vraiment, c'est venu de là. Et ensuite, plus large, former d'autres personnes, des collègues, les conduire à cette vision de bien-être d'accueil. Oui, c'est un métier de passion. Oui, c'est, je fais ce métier avec passion. Alors, une journée, ça commence la veille. Donc je la planifie, je regarde s'il y a des rendez-vous, voilà, toutes les petites tâches spécifiques. Le jour J, j'arrive, je salue toute mon équipe, je fais un petit débriefing, je vois si tout le monde est en place, si tout va bien. Ensuite, je prends les transmissions, je gère les petites problématiques, je peux avoir des rendez-vous clients. Et après, ça va être de la mise en place des offres hôtelières, des contrôles de chambre, l'accueil des patients. Et on finit toujours une journée par saluer son équipe, savoir si tout s'est bien passé, s'ils répondent à leurs questions. Saluer le client aussi. Je suis très heureuse de pouvoir être là aujourd'hui et même de pouvoir travailler au sein de l'équipe que j'ai aujourd'hui. Elle est tout simplement merveilleuse. Vous pouvez également évoluer, c'est-à-dire gérer du multisite. Ça, c'est assez intéressant. Donc intervenir auprès d'autres gouvernantes et gérer plusieurs établissements en même temps. Ce métier apporte beaucoup, est très varié, beaucoup au niveau relationnel. Vous allez avoir diverses missions, les journées sont très variées. Vous allez pouvoir accompagner, guider, écouter les personnes. Il faut aimer les personnes.